Bonsoir, voilà des toilettes bouchées. Bien bouchées comme vous pouvez le voir, on trouve des lingettes, du papier toilette, l'eau ne s'écoule plus. J'ai une méthode pour évacuer les gros bouchons comme cela, c'est la méthode du balai espagnol. Je vais vous donner toutes les indications pour pouvoir déboucher vos toilettes. Vous avez ici un balai espagnol, plus communément appelé balai à frange. Mais en réalité, c'est un balai espagnol. Je vais entourer ce balai espagnol de sacs plastiques, puisqu'il va rentrer dans la cuvette pour faire un effet poussoir et venir pousser l'eau au fond de la cuvette. Hop, alors, n'hésitez pas à bien scotcher. Si vous avez un scotch type gros scotch marron, c'est aussi bien. Alors, je scotche assez haut parce que comme je remplis d'eau, je ne veux pas que l'eau passe, s'infiltre par le haut du sac et vienne salir mes franges. Hein, il y a quand même parfois. Des toilettes bouchées, c'est pas toujours très propre. Je double. Faudrait pas que le sac craque. Alors n'hésitez pas à doubler, voire tripler les épaisseurs. Voilà à quoi ça ressemble une fois préparé. J'ai mis le sac le plus épais en premier. Et j'ai doublé avec deux sacs un petit peu plus fins, mais j'aurais pu mettre trois sacs épais. Nous allons faire la démonstration du débouchage de toilette grâce à la méthode du balai espagnol. Vous me suivez? Voilà, nos toilettes sont toujours bouchées. Ça s'est pas beaucoup écoulé depuis que j'ai préparé le balai. Vous rentrez votre balai comme ça. Vous allez tout au fond au niveau de l'évacuation de vos toilettes. Et vous faites un mouvement de pression, enfin d'aller-retour dans l'évacuation des toilettes. Assez fort. Et normalement, et voilà. Vous avez vu ça? Et là, je vais tirer la chasse. C'est débouché. Super efficace. Si vous n'avez pas de ventouse à la maison, utilisez un balai espagnol, c'est vraiment très efficace. Voilà, c'est débouché. Likez si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et abonnez-vous. À bientôt.